Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous revoici pour une nouvelle vidéo de Black Mesa, et oui. Alors rapidement, qu'est-ce qui s'est passé dans l'épisode précédent? Bah comme vous le voyez, j'ai activé un levier pour passer là, de l'autre côté, grâce à la passerelle qui tient en... qui ne tient que par un fil d'ailleurs, c'est bon de le dire. On a affronté divers monstres aquatiques en tout genre, et là en fait on est dans une sorte de... Non, pas de raffinerie, mais de centre de recyclage des déchets. Voilà. Donc, on continue. Cette fois-ci, trêve de parlotte. Oula, il y a du feu. Aïe, je me suis fait brûler ridiculement. Hop. Alors, attends, par où je suis pas passé encore? Par là. Ah, voilà. Yes. Ok, on est bon. Oula, putain, je vais me faire déchiqueter là. Ah bah ça va en fait. J'ai peur, j'ai cru que j'allais mourir en tombant là. Et au final, je suis tombé dans l'eau. Oh, ça va finalement. C'est pas si gravissime que ça. Non, je crois que c'est pas par là. Par là. Non, ici je suis déjà allé. Ah bah ben, forcément si je retombe, je reviens un peu en arrière. Donc alors attends, faut que je passe là. Non, pas par l'échelle, je crois que c'est pas ici. Lui je l'ai tué, c'est bon. Oula, ça me donne la nausée de courir un peu partout. Le personnage il va trop vite. Attention. Oui, j'ai réussi. Allez hop. Par là. Là on saute, ouais. Là faut passer par là. Et nous revoilà à l'endroit où on était. Ouh putain, j'ai encore failli tomber. Je suis vraiment pas doué pour les phases comme ça. Voilà. Ok. Aïe 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 aïe. Je me suis fait cramer comme une merde. Par là. Là. Et là. Ouais, nickel. Faut juste que je saute au bon moment en fait. Wouh, j'ai réussi. Oh non! Bon allez. Deuxième tentative, on réessaye. Par là. Je vous refais le niveau en speed là. Chut. Ouais. Allez, speedrun game. Pourquoi tu veux pas sauter? Ah voilà. Yes. Allez, 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 on y va. Allez, on avance, on avance. On a réussi. On y retourne. Ouh. Non. Alors là, c'est carrément mauvais là. Là c'est carrément mauvais. Putain, j'ai presque plus de vie. Bon bah tant pis hein. Hop. Et c'est reparti.
putain. Oh là là. Yes. Voilà. Oh non, bah alors là, je vais mourir. Ah. Ouais, j'ai remarqué. Voilà. Allez, cette fois-ci, je croise les doigts. Parce que ce passage-là, il est quand même vachement corsé. Alors, ralenti. Ah, est-ce que je peux tricher par là? On va essayer de tricher, les gens. Voilà. Et voilà. Comment réussir ce niveau sans espérer tomber. Voilà, méthode de triche. Oula. Putain, c'est dangereux, hein. Faites-moi penser de jamais visiter une usine de traitement de déchets. C'est trop dangereux, sérieux. Et là, je dois aller là? Ouh, berk. Ouais, on dirait bien. Oh la vache, j'ai plus que 7 munitions, mais je vais jamais y arriver là. Bon bah là je suis très très mal parti, j'ai plus que 15 points de vie. J'ai... Ah, des munitions, j'ai rien dit. Moi qui pensais ne plus avoir munitions, bah voilà. Tout arrive à point nommé. Y'a rien dans les caisses là-dedans, là. Bon, y'a rien. Alors. Ah, parfait, des munitions pour lui. Et là aussi. Bon, bah, ça va. Faut juste espérer ne pas tomber sur des ennemis. Parce que là, je suis vraiment, mais vraiment très très mal si ça m'arrive, quoi. Ah, ça va être un peu chaud, je pense. Petit temps de chargement, toujours un petit peu long, malheureusement. Je pourrais vous les couper au montage, mais bon, ça ferait pas très réaliste. Et puis deuxièmement, bah faut se dire que voilà quoi, les jeux de l'époque, c'était comme ça. Voilà, on était obligé d'attendre derrière son écran. On pouvait pas faire autrement. Bref, avez-vous passé une bonne journée, cher public? Le mec qui ne parle pour ne rien dire, voilà. Si vous avez passé une bonne journée, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Je sais, c'est con, mais moi, ça me ferait bien plaisir de voir si les gens passent une bonne journée. Et si mes vidéos vous plaisent toujours autant, voilà. N'hésitez pas. Ça me ferait beaucoup plaisir. Ah là 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 là. Je perds les mots, j'arrive plus trop à savoir quoi dire pendant ce temps de chargement. Qui est, ma foi, longuet, même très longuet. Ah là là. Bon. Tu te décides ou pas? Allez, s'il te plaît. S'il te plaît. Ça fait la voix de Gollum. Nous la préférons creuse. Bon, fini les conneries. On y va.
Ouh là là, je le sens pas bien cette pièce-là. C'est électrocuté de partout. Ouais. Ah, ils sont pas morts! Ah voilà, je suis mort, je suis mort. Oh le piège, ils ont fait semblant qu'ils étaient morts. Putain, ils sont intelligents ces mutants là. On va prendre ça. Avec 15 points de vie en même temps, j'ai pas beaucoup de chances de survie. Et voilà, vous m'aurez pas deux fois, bande de chenapans. Je crois que je distingue un point de sortie. Putain, c'est con quand même comme jeu. On peut monter aux échelles, mais on peut pas monter sur un escabeau. C'est dommage. À mon avis, faut faire comme ça. Non, même pas. Comment faire? Non, parce que là, je vais mourir, là, c'est sûr. Ça y est, j'ai trouvé. Youpi. J'espère que c'est le bon chemin. Non, pas par là. Putain, j'aime vraiment pas ces phases de saut là. Une paire de grenades, ça c'est cool ça. Putain, eh, franchement le mec il est balèze. Comment il fait pour tenir accroupi sur un truc aussi mince? Et voilà, on a réussi. Bon, au moins pour le chemin du retour, si jamais je dois repasser par là, il n'y aura pas de soucis. Voilà, on va laisser la porte ouverte au cas où. Lui, apparemment, il a pas eu la même chance que moi. Bon, ok, c'est, on peut pas rentrer là. Et là-bas, on peut rentrer ou pas? Ah non, logiquement non. Ouh là là, nouveau chapitre, une éthique douteuse. Une échelle, ok. Passer là-dessous, mais je sais pas si c'est le bon endroit. Apparemment. Oula, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Oula, je sais vraiment pas ce que c'est, mais ça me dit rien du tout. Quelque chose me dit qu'il faut appuyer sur le bouton, mais j'ose pas là. Et merde. Ah, je l'ai tué? Ah merde, non, fallait peut-être pas. Attends, je l'ai tué vraiment ou... Qu'est-ce que c'est que ce truc là? On dirait... sorte de mutant mais humain.
Tu m'étonnes, éthique douteuse, je te le fais pas dire. Pourquoi monter là-haut? Quel intérêt? Y'en a pas. C'est juste pour faire joli. Bon bah apparemment faut passer par là. On a l'air d'être dans une sorte de laboratoire à savant fou. Quelque chose. Salle de test. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ces créatures là? Faut appuyer là? On dirait que ça balance des trucs, je sais pas trop ce que c'est. Je sais pas. Bon, en tout cas, voilà de la vie et ça, c'est plutôt cool. Ah, voilà. Je revis, c'est le moment de le dire. Évidemment, la porte est verrouillée. Quel est cet endroit? Où suis-je? Oula, j'entends des bruits. Oula, oui, j'entends des bruits. Ah! Il est mort. Un troisième. Oula, t'as une sorte de zombie. Ça m'inquiète un peu, tous ces bruits là. Ouais, évidemment, vitre blindée. Je sais vraiment pas c'est quoi ce truc là. Putain, j'entends des bruits de zombies là, mais j'aime pas ça du tout. Mais alors, pas du tout. Bon, bah, de toute façon, j'ai pas le choix, faut avancer. Il est bien mort, hein. Ça vient de là-haut. Je sais pas du tout ce que je dois faire là. On va appuyer sur les boutons. Door, realize. Danger, push to fire. Ok, bon alors, déjà la créature elle est libérée. Qu'est-ce que... Waouh, mais c'est trop puissant ce truc! Ça existe pas en arme ça par hasard? Putain, c'est stylé. J'espère juste que ça va pas s'activer quand je suis là. Mon arbalète, yes. On va garder le petit flingue. Non mais j'entends un bruit bizarre, j'aime pas les bruits bizarres.
Ah, il est là! Salut toi! Non, évidemment, vitre blindée. Tu te prends la tête. Tu te prends la tête? Merde. Voilà. Bon, bah, on va continuer à avancer. Hein. Apparemment, il n'y a rien. Bon, lui, il est mort. Il y a quelqu'un? Oh, les toilettes. Oh, putain. Vous savez quoi? Les jeux où il y a des toilettes et des ascenseurs, mais faut toujours, mais alors je dis bien toujours, se méfier, quoi. Vous voyez, là? Il y a quelqu'un. Moi, dans tous les jeux, je déteste les toilettes. C'est occupé. Je déteste les jeux. Ah bah, il est mort, on dirait. Je déteste les jeux avec des toilettes ou des ascenseurs. Parce qu'il y a toujours un truc pas net. On se refait une petite beauté. Ah, y a pas de glace, dommage, on peut pas se voir. Dans la glace. Y'avait pas quelque chose d'autre à explorer par là? Non, là c'est là d'où je viens. Et par là y a rien. Donc non, fallait bien passer par ici. Personne. C'est un peu sombre ce coin-ci. J'aime pas trop. J'aime vraiment pas. Ça sent le... J'ai vu un truc là. J'ai pas rêvé. Ça sent le guet-apens. Qui t'es toi? Hey. Hey buddy. Oh salut. Attends deux secondes. Je mange une... Oula. Une pizza. Je vais peut-être pas la manger parce que ça se trouve c'est celle qui les a tués. La pizza a tué les chercheurs, tu l'as pour à toi. It ain't no good up there. It's all sealed off. The only way out would be to find someone with scanner access who can open the front door. I'm pretty sure there's a few scientists hiding out somewhere in the labs. Okay. Maybe with the both of us looking, we can track them down and get them to let us out of here. Ah bah je serais pas contre un peu d'aide. Tu veux être mon copain? Don't worry, sir, I'll keep you covered. Ouais, il est mon copain. J'ai un copain. Je suis plus rassuré là. Y'a rien à récupérer par ici. Semblerait-il que. You don't still think this is a drill, do you? Non, tu sais, ça fait bien longtemps que j'ai compris que c'était pas un exercice qui se passe là. Là, y'a pas quelque chose là. Tu me suis, hein? Ouais, tu me suis, c'est bon. Alors. Par là. On dirait qu'on a pas trop le choix. Encore un petit temps de chargement. Ouh là là. On va voir ce que ça donne. Ça va être un peu long, comme d'habitude. Bref, où j'en étais tout à l'heure à la dernière pause. Ah oui, j'étais en train de faire la foire de colon. Sale petit orbite soufflé, ils nous l'ont volé, l'impression. Nous les préférons, creux. Poisson, bon poisson. Je me souviens plus de la musique. Avec le poisson, les poissons qui frétillent, les bails comme ça. Moi, je suis en train de me taper un délire pendant la pause de chargement.
D'ailleurs, au passage, si vous aimez bien ou que vous trouvez que j'imite bien la voix de Gollum, n'hésitez pas à me le dire. Sinon, si vous trouvez que je suis très mauvais pour faire la voix de Gollum, n'hésitez pas à me le dire non plus. Parce que. Oula, on n'est pas tout seul, on n'est pas tout seul! That was close. Oula, ça a bugué. Attends, t'es où? Il est où l'ennemi? Eh, meurs pas, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. Bon, apparemment, on n'est pas tout seul dans le coin, donc on. On va éviter de trop se faire remarquer. Il n'y a pas des armes, des munitions dans le coin. Si, des munitions. Oh! Oui! Il est là, mon fusil à pompe! Je l'aime. Je l'aime. De la vie! Des munitions, mais c'est le paradis. I don't mean to rush you, Doc, but we should get going soon. Oui, bah deux secondes, hein. Laisse-moi prendre d'abord mes munes. C'est le paradis après l'enfer. Trop cool. You're not scared, are you? Moi, peur? Non mais oh, tu t'es vu? Bon d'accord, c'est vrai que c'est pas super rassurant comme endroit, mais quand même. Est-ce que je peux passer par là? J'imagine que ça veut dire non. Bon allez, on y va. Direction la salle de conférence aquatique et cryonique. Ok. Ouais, j'ai une mitrailleuse. C'est la classe, mais je préfère mon fusil à pompe. Attention aux caméras. Ce doit être la salle de conférence. Y'a rien. Excuse me. Quoi, excuse-moi. Pourquoi tu t'excuses? Je t'ai rien dit. Ouais, de là, une arbalète, mais j'ai déjà trop de munitions. Sure we're going the right way? Oui, nous sommes sur la bonne voie, fais-moi confiance, putain de merde. Eh hey, oh, c'est toi qui as voulu me suivre, hein? Oh, that was awkward. Mais qu'est-ce que tu fous? Avance! Mais non, pas par là! Derrière toi! Ouh, j'ai récupéré des munitions sans m'en rendre compte. Oh, trop bien. Ah! Là, j'avais pas vu. Ça c'est cool. Ah bah là, j'ai un bon fusil, chargé à bloc. C'est la classe. Earth to Gordon. Ah, t'es pas cool. Et un de tes potes, il vient de se faire tuer. Et toi, tu trouves le moment de faire des blagues. Oula. C'est un peu beaucoup sombre. Oh putain, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Encore un endroit avec des tubes où il y a des monstres dedans, non? Un truc comme ça. Ah! Okay, these things are creepy. Ouais, je te le fais pas dire, je déteste ces petites bestioles. En tout cas, maintenant on sait où sont passés les monstres. Ah bah merde, il est mort. Nous qui cherchons un chercheur en vie, ça va pas être pratique. Toi, t'es mort aussi, ok. C'est quoi ça? Ça a rien. Et ça, c'est quoi ça? You have any idea that we're working on this kind of stuff? Non, j'en savais rien. Maintenant, je le sais. Qu'est-ce que c'est que ça?
Black Mesa, janvier 80, et là on voit pas. C'est des photos de collègues en tout genre. Bon, en tout cas, là, s'il y avait des monstres, la machine, elle a dû les éradiquer. J'ai rien dit. Il est où? Aïe! Shit! How many shots was that? Viens, on revient en haut. J'ai une meilleure idée. On va utiliser à profisque. C'est bon? Voilà! Comme ça, il n'y aura pas un seul survivant. All right, let's get moving again. Voilà, logiquement, il n'y a plus personne qui va venir nous emmerder. Putain, j'aurais dû faire ça dès le début au lieu de gâcher des munitions là. En tout cas, c'est pratique. Ça was awkward. Marines. Eh mon pote, faut apprendre à viser hein. Il est où mon copain? Oh quel con, il est coincé dans la porte. Tu viens oui ou non? Putain l'abruti. Coincé entre deux battements de porte. Are we getting any closer? Bah franchement j'en ai strictement aucune idée quoi. À mon avis faut passer par là, mais tu sais quoi, on va d'abord visiter dans le coin, on va voir un petit peu ce qui se passe dans le coin. Oulalalala, c'est quoi ça? Putain, mais qu'est-ce que c'est? Ça doit être le truc que j'ai vu tout à l'heure dans la fiole là. Oh putain, saloperie. Et vous savez quoi? Je pense qu'on va arrêter la vidéo là-dessus. Voilà, on a déjà bien avancé. Bon bah mon pote il est mort, dommage pour lui, c'est pas grave. C'est pas grave, on se retrouve encore une fois tout seul, au beau milieu d'une horde de mutants et de marines qui cherchent à nous faire la peau. Voilà. Bon écoutez, on va cesser sur cette vidéo et moi je vous dis à demain et à bientôt pour une nouvelle vidéo de Black Mesa. Allez, salut à tous, salut tout le monde, ciao, ciao.